Juillet dernier, dans le Vaucluse. Guten Tag. Guten Tag, madame. Willkommen. Einmal unseren Voucher. Ok, danke schön. Guten Tag. Willkommen. So we are going to start this way, please. So if you can follow. Ils sont allemands, français ou anglais. Chaque été, ils débarquent par carentier pour visiter les terres de Catherine. Bonjour. Une centaine d'hectares qu'elle partage avec ses frères. Donc ici, nous sommes dans la propriété de mes aïeuls. Je suis une cinquième génération, mais des deux branches. Si ces touristes sont venus de loin pour écouter des histoires de famille, c'est pour elles, la lavande, l'emblème de toute la région. Avec ma grand-mère et les enfants, ils montaient dans la montagne et ils récoltaient la lavande sauvage qu'ils distillaient sur place avec un alambic itinérant. Donc mon grand-père commercialisait son essence de lavande aux parfumeurs et aux pharmaciens. Fière de ses racines, Catherine partage avec ses visiteurs deux siècles de culture familiale. Les touristes sont ici comme au musée. Donc ces plantes sont très vieilles, elles ont environ 15 à 20 ans et on a arraché tout le champ. C'était un champ de collection où on avait différentes sortes et on le refera petit à petit. Un musée avec ses produits dérivés. Donc maintenant vous allez tester et goûter un sirop de lavande et des petits biscuits avec de la confiture de lavande. La lavande à déguster ou à boire, une découverte surprenante. Donc c'est une infusion de fleurs de lavande avec du citron. Et c'est vraiment... c'est sympa. Vous avez goûté, non? Un goût à apprivoiser. Oh, c'est vraiment le goût de lavande. Bah, je pensais pas que ça se buvait et tout, que ça se mangeait. Très intéressant. On va en rapporter en Allemagne. C'est vrai que le traditionnel, c'est les petits sachets de lavande qu'on met dans l'armoire. Donc ça, c'est les choses connues. L'eau bleue dans les toilettes. Hein. Voilà, comme quoi on peut faire d'autres choses. L'eau bleue dans les toilettes. Très romantique. Ah, la lavande, c'est aussi ça. Prix de la visite, 7 euros. Sans compter les produits dérivés achetés à la boutique. Un moyen pour Catherine d'arrondir ses fins de mois. Car si autrefois la lavande permettait à sa famille de vivre confortablement, ce n'est plus le cas. Un paradoxe quand on sait que ces dernières années, cette petite fleur bleue a connu un formidable succès commercial. Dans les cosmétiques pour ses propriétés relaxantes, en aromathérapie pour ses vertus antiseptiques et cicatrisantes, la lavande est surtout la star du rayon entretien, où elle parfume lessive, assouplissant ou encore eau de javel. Pourtant, la production de lavande française n'a jamais été aussi basse. Alors pourquoi l'or bleu de Provence est-il en crise? À quelle concurrence doit-il faire face? Y a-t-il des arnaques? Première surprise, ce que l'on prend pour de la lavande n'en est pas toujours. C'est parti. À Grignan, en Drôme provençal, premier jour de récolte pour Laurent Rambeau. Qu'est-ce que vous faites, hein, Laurent? Je lui donne à manger. Si on part pour la journée, bon, hop, après on se voit plus. En ce début juillet, Laurent entame 3 semaines de coupe sur son exploitation de 22 hectares. Une couleur, une fleur qui ressemble à la lavande, mais qui n'en est pas. Il s'agit en fait de lavandin. Une plante plus résistante, mais au parfum moins subtil. Une version moins noble de la lavande. Ça y est, on a fait la première parcelle de l'année. Mais à vue d'œil, ça sera pas une grosse année. Mais ça se voit aux plantes. Hein. Il suffit de savoir compter. Quand on prend un épi, en fait, on compte les étages. On voit, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-ci, il en a 10. Il y a des années, on peut en faire 13, voilà. Mais ramener à l'hectare, je présume que ce ne sera pas une grosse saison, malheureusement. Après, bon, les années se suivent, mais ça ne ressemble pas. On verra bien. Laurent cultive aussi la vigne, mais il tire l'essentiel de ses revenus du lavandin. Il ne faut rien perdre. Plus que la qualité, c'est la quantité qui prime. On a la paille et on a toutes les fleurs, voilà. Et c'est les fleurs qui vont faire l'huile essentielle. Et pourquoi tu gardes la paille? Mais la paille, en fait,
pour le moment, on n'a pas la machine, on n'a pas encore trouvé le procédé qui nous permet donc de séparer, mais bon, on y réfléchit, hein, mais bon, le concept n'est pas encore fini, de séparer donc une tige, voilà, de la fleur, voilà. Tout est distillé, voilà. La tige qui est verte, plus la fleur. Donc c'est vrai que sur une remorque comme ça, la grosse partie du volume, c'est de la tige. Le principal intérêt du lavandin, c'est son rendement. Allez, c'est parti, la distillerie. Il est 6 fois supérieur à celui de la lavande. C'est pourquoi aujourd'hui, 90% des champs bleus que l'on voit en Provence sont en réalité des champs de lavandin. Première visite de l'été à la distillerie pour Laurent. C'est ici qu'il va se faire une idée de son chiffre d'affaires de l'année. Ce qu'il vend, ce ne sont pas les fleurs, mais l'huile essentielle qu'il en extrait. La distillation prend 1h30. La remorque est placée sous la chaudière, puis on injecte de la vapeur d'eau. Il suffit ensuite d'attendre que l'huile se détache de l'eau. Là au milieu, c'est donc l'eau avec l'huile essentielle. Et donc je vais le faire déborder. Là, je ferme l'arrivée d'eau. Donc toute l'eau maintenant va sur l'essentiel et ça fait remonter l'essence. Voilà. Donc là, on voit l'eau dessous et là, j'arrête juste avant. Voilà. Une dernière étape délicate. Et voici enfin le précieux liquide. Donc vous voyez, voilà. Là c'est l'huile essentielle. C'est ce qu'en fait on vend par la suite sur les marchés ou ce qu'on vend donc aux négociants. C'est ce produit-là. C'est ma récolte. C'est pour ça que j'ai travaillé toute l'année. Cette huile essentielle de lavandin servira à parfumer des lessives, assouplissants et autres produits d'entretien. Moins 22, ouais, 70 kg en gros. Voilà. 70 kg, bon, sur 8000 mètres, ça fait en gros du 100 kg hectare, à peu près. Bon, c'est pas... Bon, la plantation était un peu âgée, en bout de vie. Bon, c'est moyen, voilà. On va dire moyen plus, voilà. Laurent vend son huile essentielle 17 euros le kilo, 4 fois moins cher que celle de lavande. Une aubaine pour les lessiviers, mais pas seulement. Même la parfumerie fine jusque la chasse gardée de la lavande est aujourd'hui gagnée par le lavandin. À Versailles, l'Osmothèque, un conservatoire de senteurs conçu par Jean Kerléo, qui a officié comme né dans une illustre maison de parfumerie. Alors méfiez-vous. À la cave, il collectionne les fragrances comme il collectionnerait les grands crus. Certaines recettes datent du 1er siècle. Sur les étagères, 1800 flacons, dont beaucoup affichent le même ingrédient. Ah voilà, bon, par exemple, voilà, vous avez donc English Lavender de Yardley, une très vieille lavande. Là, il y a aussi un petit peu de lavande. Ah, encore un autre. Voilà, je tombe par hasard dessus, Arôme 3. Ça ne dit rien du tout, mais c'est une lavande. Vraiment, c'est vraiment lavande, une très belle lavande. Vous avez surtout Azzaro, qui est encore connu, qui est un des numéros 1 des ventes de produits pour hommes. Donc Azzaro pour hommes. Vous avez dans la même catégorie, vous avez Jazz, vous avez Égoïste Platinum de Chanel. Ces produits-là, ce sont des produits quand même à destination essentiellement masculine. 9 parfums masculins sur 10 contiennent de la lavande. D'ailleurs, c'est à elle que Jean Kerléo doit l'un des plus grands succès de sa carrière de nez, l'eau de sport de Lacoste. Pourtant, aujourd'hui, il se désole de voir la lavande remplacée par le lavandin. Vous avez beaucoup de gens qui utilisent du lavandin en parfumerie, même à la place de la lavande. Mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un critère de qualité. Je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus vulgaire, si l'on peut dire, dans le lavandin. Par contre, le lavandin est plus intéressant. D'abord, moins cher, parce qu'il faut regarder le prix. On consacre moins d'argent pour le parfumage d'un savon que pour une autre toilette. Et puis, ce côté camphré, etc., ça résiste plus à la chaleur, si on peut dire. Et donc, vous avez quand même la note de lavande. Concurrencée par le lavandin, la lavande de Provence doit aussi faire face à une menace qui vient de beaucoup plus loin. Grasse, la capitale de la parfumerie. On y trouve les plus importants négociants du secteur, comme Charabot. Cette société achète des matières premières pour le compte de parfumeurs et de lessiviers. Les huiles essentielles de rose, de bergamote et de lavande sont revendues en l'état ou déjà assemblées. À la tête de la division matières premières, José Adrian. Bonjour, vous avez passé un bon week-end ? Oui, très bien. C'est vrai ? Depuis quelques années, quand la récolte est moins bonne en France, il a pris une habitude. Alors, montrez-moi vos échantillons.
Qu'est-ce que vous avez comme lavande? Vous avez des lavandes bulgares aussi, une lavande bulgare. Et puis après, on a recourir à des importations. Je crois qu'aujourd'hui, le fait d'avoir des lavandes étrangères nous permet de faire face au marché. Et la note lavande se maintient. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir soumettre d'échantillon quand un client vous demande une note lavande. José Adrian achète parfois jusqu'à 35% de sa lavande à l'étranger. Et pas seulement en Bulgarie. Voilà. Allez-y. Il s'approvisionne aussi en Ukraine, en Moldavie et même en Chine. Des pays qui se sont convertis à la lavande dans les années 70. Si au début les prix faisaient la différence, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En France ou dans les pays de l'Est, c'est 70 euros le kilo d'huile essentielle. Il existe pourtant une variété de lavande beaucoup moins chère. Sauf que celle-ci ne pousse pas dans les champs. On a un client sur l'Indonésie, oui. Un savonnier, qui voudrait une lavande. Et qui voudrait une lavande plutôt, moi je dirais, en dessous des 7-8 euros. Quoi. En dessous de 10 en tout cas. Donc dans ce cas-là, une reco alors. Parce Il s'agit d'une lavande chimique fabriquée en laboratoire. Alors une reco pour reconstitution. C'est-à-dire que dans une huile essentielle, on a plusieurs constituants qu'on peut synthétiser chimiquement à partir du pétrole. Et dans ce cas-là, quand on sait qu'une lavande, c'est à peu près 2/3 de linalol et d'acétate de linalyl, on les trouve sur le marché, ces molécules synthétiques, et on peut donc les assembler avec d'autres pour avoir un profil de l'huile essentielle de lavande. Donc ça, c'est une des lavandes les moins chères qu'on peut trouver ? Oui, tout à fait. On peut encore baisser si on rajoute du solvant, voilà, un solvant neutre. Qu'on peut couper à moitié, vous allez avoir du 4-5 euros, mais bon, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de très puissant, de très riche, mais c'est une caricature et il y a des marchés. Un produit de synthèse qui n'a plus rien de naturel. Si vous le sentiez. Allez, on s'assied. José pourra satisfaire son client indonésien avec cet ersatz de lavande à 8 euros. Deux fois moins cher que du lavandin et 10 fois moins que de la lavande fine. C'est quand même fleuri, le fruité de... Ouais, très bon. Bon travail. Ouais. Il y a quand même le cœur de la note qui est là. Et c'est un très bon rapport qualité-prix pour certaines applications, plutôt en parfumerie fonctionnelle. Et c'est tout à fait honorable comme qualité. Voilà, donc... C'est une fausse lavande. Alors fausse, vraie... C'est une note lavande. C'est une note lavande. Entre la concurrence de la lavande bulgare ou chinoise et l'apparition des produits de synthèse bien meilleur marché, les producteurs français se sentent menacés. Francis Vidal est en quelque sorte le gardien du temple de la lavande de Provence. Cet agriculteur a créé une appellation d'origine contrôlée, lavande de Haute-Provence. Bonjour à tous. Monsieur le Président. Comment on va ? Ce soir, il rejoint Catherine, l'agricultrice qui joue les guides touristiques, ainsi que quelques autres lavandiculteurs. Tous sont des puristes. Parmi eux, ce jour-là, il y a aussi Robert Ravens, un producteur australien que Catherine a rencontré lors d'un de ses voyages. Il vend de l'huile essentielle, mais commercialise aussi sa lavande sous des formes moins orthodoxe. Ça a une odeur. Ouais, ça pique. Ouais. Ça a une odeur. C'est ça. Ça sent le micro-ondes. Ah ouais, il n'y a pas son micro-ondes. Une odeur. Du... Ouais, ben voilà. Je suis hollandaise. C'est pour ça que tu me le donnes. Sentez-le. Mais pas la derrière, faut pas sentir la derrière. Christian. Les lavandiculteurs restent méfiants, d'autant que l'Australien a l'air de s'y connaître. Il possède la plus grande exploitation de l'hémisphère sud. Je vis en fait à Sydney. Ah, vous vivez à Sydney. Mais mon exploitation est en Tasmanie. Et dites-moi, pourquoi êtes-vous venu en France ? Pour observer les meilleures pratiques et voir comment les experts cultivent leurs champs. L'Australien est diplomate. Il accepte même de s'exposer à la critique. On fait une petite comparaison. On ne va pas faire un jury, on va se contenter de faire une comparaison entre les deux. Sans hésiter,
il soumet sa production au nez de ses provençaux, intransigeants. Il paraît que c'est plus fin. Hein. Non. Hein? Comparé, vous verrez. c'est beaucoup plus choral ça que ça. Mais c'est bien aussi. Ça vous inquiète ou pas? Non, je suis pas inquiet, moi. On est pas inquiet. Il en faut plus que ça pour m'inquiéter. Nous, on est dans le berceau de la lavande. Ça, enfin, je veux dire, ça change tout, je pense, quoi. En Australie, ils n'ont pas encore là aussi. Plus encore que la lavande étrangère, depuis quelques années, c'est surtout la lavande de synthèse qui préoccupe ces agriculteurs. Je préfère mieux voir un produit comme ça, que ce soit australien, je dirais même chinois ou bulgare, que d'avoir un produit chimique qu'on appelle la lavande. Ça, pour moi, c'est l'horreur. Ce que j'ai trouvé, une eau de toilette marquée naturelle, lavande sauvage de Haute-Provence. Et donc, composition derrière, parfait. S'il s'agissait bien de lavande naturelle, il y aurait marqué huile essentielle. Maintenant, notre défense au niveau de l'appellation, c'est plutôt contre ces produits chimiques. Sur la lessive, on voit marquer lavande, mais il n'y en a pas, ça n'en est pas. Et c'est pas normal, ça. Pour ces provençaux, la synthèse serait même en passe d'enterrer leur bleu. Pourtant, en magasin, les marques continuent de jouer sur le naturel, en affichant des brins de lavande ou des champs mauves sur les emballages. Mais qu'y a-t-il vraiment dans ces flacons, aux couleurs très affirmées? À Bruxelles, au siège européen de Procter & Gamble, c'est jour de test. Les employés passent la serpillière et font la lessive. Ici, il y a des dizaines de machines à lancer et 15 salles de bain à nettoyer avant que la parfumeuse en chef ne pointe son nez. Donc en fait, il y a une référence et le nouveau candidat. Tout à fait. Aujourd'hui, Catherine Ganal fait évoluer le parfum de sa gamme lavande. L'objectif est de moderniser cette lavande qui est assez classique. Mais ici, c'est une lavande un peu plus résiduelle. Mais le fond boisé, ambré est trop présent et ça pousse le côté herbacé de la lavande et ça donne un côté pas très propre. Donc finalement, c'est cette direction-là qui va être privilégiée. Catherine ne parle pas de lavande, mais de note lavande. Car d'abord, elle utilise du lavandin. Et dans ses produits, il n'y a pas une seule goutte d'huile essentielle de lavande. Il n'y a pas une lavande. Je crois qu'il y a un concept lavande avec plein de notes différentes. Plein de notes lavande. Pourquoi vous dites lavande alors? Parce que en fait, quand on dit lavande, c'est une note lavande, c'est l'odeur de lavande. Finalement, bon, quand on compare les huiles essentielles, c'est vrai qu'il y a une différence. La lavande fine a une note beaucoup plus florale, alors que le lavandin a une note beaucoup plus camphrée, beaucoup plus herbacée. Dans notre type de parfumerie, c'est plutôt du lavandin, pour différentes raisons, pour des raisons de coût et des raisons de disponibilité sur le marché également. Du lavandin, donc, et aussi de la synthèse. Même si Catherine, pas très à l'aise, préfère insister sur le côté naturel. Il y a des ingrédients naturels dans le parfum. Hein. Ici, il y a une grande quantité d'huile essentielle de lavandin. C'est quoi la proportion? Bon, ça, je ne peux pas vous dire parce que les formules de parfum sont confidentielles. Mais c'est quand même presque plus d'un quart du parfum qui est en huile essentielle de lavande. Des produits lavande parfumés essentiellement avec de la synthèse, c'est légal, à condition de le préciser sur l'emballage. Mais tous les fabricants se donnent-ils cette peine? Nous avons voulu le vérifier en faisant analyser 5 articles choisis au hasard. Uniquement des produits qui n'affichent pas la mention « parfum de synthèse ». Quelques jours plus tard, Denis Ronten, docteur en biochimie, nous décrypte les résultats plutôt troublants. Sur les 5 produits qui m'ont été analysés, en fait, les 5 contiennent des substances de synthèse ou d'hémisynthèse. Parmi ces 5 produits, 2 ont retenu son attention. D'abord, une huile essentielle, en principe 100% naturelle. Vous avez surtout ici un énorme pic qui est du solvant. Une huile essentielle pure ne doit pas contenir de solvant. Donc ça veut dire que même s'il y a peut-être des produits naturels dans cette huile essentielle, en revanche, elle n'est là que pour aromatiser un solvant. 70% c'est du solvant. Le gros problème, moi, que je voudrais ajouter quand même avec cette huile essentielle, c'est que si vous lisez dans un magazine que la lavande a des propriétés sédatives et que vous en mettez sur votre oreiller pour mieux dormir,
Si vous mettez ça sur votre oreiller, vous allez respirer du solvant toute la nuit, puisque c'est principalement du solvant, et que par conséquent, le lendemain matin, vous allez avoir mal à la tête et vous n'aurez pas du tout l'effet que vous attendiez. Deuxième produit, cet assouplissant qui surfe sur la mode de l'aromathérapie. Non, il n'y a pas d'huile essentielle dans le produit numéro 1. Alors effectivement, c'est assez étonnant parce que ce produit revendique de l'huile essentielle naturelle, de ylang-ylang et de lavande. Mais en même temps, si vous savez lire la liste des ingrédients, ce n'est pas indiqué qu'il y a de l'huile essentielle dedans. Donc comment peut-on parler d'aromathérapie quand on n'utilise pas d'huile essentielle? La question reste en suspens. En tout cas, on ne peut pas le faire normalement. Le comble, c'est que la synthèse est peut-être l'avenir de la lavande. Car une grave menace plane sur les champs de Haute-Provence. Au pied du Mont Ventoux, Michel Blanc vit avec depuis 2003. Eh, viens vite. Non, mais tout a l'air normal, là. Il est lavandiculteur, mais s'occupe aussi de 300 brebis. C'est son petit plaisir. Ça, là, c'est... Le métier d'éleveur, c'est plus une passion qu'autre chose. Parce que si vous voulez un revenu là-dessus, non. Je vais m'occuper des lavandes, là. Comme ses parents l'avaient fait avant lui, Michel tire l'essentiel de ses revenus de la lavande. Mais en ce mois de mai, il le sait déjà, sa récolte est compromise. Ça, c'est une plante qui était en train de crever du dépérissement. Le dépérissement, une maladie qui, depuis 4 ans, décime 70% des cultures de lavande et commence à s'attaquer au lavandin. Vous voyez là, les traces blanches là. Ça, c'est des présents, c'est ce qui atteste de la présence de la cicadelle. C'est une espèce de petite cigale, là, toute petite, de 2 mm. C'est le vecteur de la maladie. C'est elle qui transmet le phytoplasme d'une plante à l'autre. La petite cigale n'épargne aucune lavande. Elle transmet la maladie, la plante se dessèche et meurt à petit feu. Aucun traitement n'est possible. Tout a été arraché. Hein. Ça aurait venu il y a 15 ans de ça, toutes les parcelles, là, c'était tout bleu. Hein. C'était tout planté en lavande. Ça? Là, derrière, dans le fond, là, de ce côté, c'était tout bleu. Hein. Michel cultivait 40 hectares en 2005. Il ne lui en reste plus que 15, presque trois fois moins. Ce sont tous des jeunes plants, à peine mûrs pour la récolte. Rien à voir avec ce qu'il a connu dans son enfance. C'est beau à voir ça. Hein. Ouais, mais bon. On peut toujours rêver qu'un jour ça reviendra. Hein. À l'époque, le seul souci, c'était de se dire, bon, est-ce qu'on va te vendre? Maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir avoir une récolte? Le problème a radicalement changé. Hein. Ça fait rêver de voir ça. Hein. Il y a encore 4 ans, sa femme Laurence travaillait à plein temps sur l'exploitation. Elle s'occupait des fleurs et des bouquets, la principale source de revenus du couple. En 2006, je me suis retrouvée dans les champs début juillet à couper 30 bouquets de lavande sur 4 rangées, alors que d'habitude, on en fait au moins 300 sur une rangée, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter, quoi. Et vous les regardez souvent, les photos? Non, j'évite parce que ça me démoralise. Michel ne baisse pas les bras. Il replante chaque année de nouvelles parcelles. L'une d'elles est expérimentale. Des chercheurs y ont installé différentes variétés sélectionnées dans la nature pour leur tolérance à la maladie. Ce jour-là, ils viennent constater leur évolution. Bon, mais je voulais vous voir pour voir un peu comment ça se passait dans vos parcelles. On constate un peu les dégâts, là. Hein. Oui, c'est vrai que là, de ce côté-là, c'est pas... Oui, vous avez quelques plants dépérissants, là. Ouais, c'est pas très encourageant. Hein. Si on prend une pousse, une jolie plante, et là, on voit très bien qu'à la même époque, vous voyez, il y a un retard végétatif, on peut pas se tromper. Sur la taille de... Ah, elles ont le même âge. Les parcelles de Michel sont scrutées deux fois par an. Sur le terrain, les chercheurs prélèvent des échantillons pour repérer les plants les plus résistants et les croiser.
Ils ont ainsi obtenu 3 nouvelles variétés. Voilà. Mais Michel n'est pas franchement convaincu. Dans certains secteurs, ça marche à peu près, mais d'autres, ça n'a pas marché. Donc nous, pour avoir une assurance d'une récolte future, il nous en faut encore plus, quoi. Il faut être certain d'avoir des lavandes qui... Alors, un, qui puisse résister à cette maladie, et deux, qui correspondent au marché dont on a besoin. Je crois que c'est juste une question de temps, et pour nous, le temps, c'est là, on l'a pas trop, quoi. Le temps semble en effet compter. À cause de la maladie, la production de lavande en France s'est effondrée. En 5 ans, elle a été divisée par 3. L'or bleu de Provence est en train de virer au gris.